Je connais des gens en France, ça fait 15 ans qu'ils sont en France, ils n'ont pas de boulot, ils n'ont pas de femme, ils n'ont pas d'enfants, ils n'ont pas de maison, ils n'ont pas de papier. Et quand vous allez dans ce qu'on appelle les foyers, les lits sont loués, le dessous des lits sont loués, les devantures des portes sont louées. Et une petite chambre, vous allez trouver des Africains qui vivent à 30 dedans. Et donc, ce n'est pas facile pour les frères. Moi, ce que je souhaite simplement, c'est que quand ils appellent ici, qu'ils disent un peu ce qu'ils vivent là-bas. Qu'ils disent un peu, OK, on gagne de l'argent, mais on n'a pas de qualité de vie. Qu'est-ce que j'appelle qualité de vie? C'est-à-dire que quand vous êtes à Abidjan, que vous avez 150 000 francs comme salaire dans le mois, et vous avez la possibilité d'aller rendre visite à votre maman, à votre grande sœur. Quand la maman meurt, vous pouvez aller aux funérailles, etc. Il y en a qui n'ont pas ça. Ils sont là-bas, mais ils gagnent de l'argent, mais ils n'ont pas tout ça. Vous êtes payé à 100 000 francs. Les dimanches, vous avez la possibilité d'aller à Bassam, aller à la plage, hein, aller vous mettre à l'aise. Hein. Mais donc, c'est ce côté qualité de vie que les jeunes Africains ne voyaient pas. Et surtout, comme le disait à l'instant Edgar, une famille se cotise jusqu'à 6 ou 7 000 euros. Cette somme-là pourrait être investie localement. Bien sûr, je connais un jeune Guinéen qui est aujourd'hui en France et qui gérait une petite boutique, ça se passait bien. Et puis un matin, ses parents lui ont dit, tu vas aller en France. Et ses parents ont dépensé 5 millions de francs CFA pour qu'il parte en France. Aujourd'hui, il est en France, mais ça fait 4 ans qu'il est en France, il n'a rien. Et à chaque fois qu'il vient me voir, il me dit, mais je regrette parce que si on m'avait donné ces 5 millions-là, s'ils avaient ajouté ça sur l'argent de mon petit commerce, peut-être que j'allais agrandir ma boutique et j'allais être à l'aise. Et donc, c'est des cas comme ça que les gens vivent quand ils arrivent là-bas, et c'est vraiment dommage.